dépôt de résidence principale, tout dépend de la région dans laquelle le bail est conclu et de la durée pour laquelle le bail est signé. À Bruxelles et en Wallonie, les règles sont identiques. Par contre, la Flandre a opté pour son propre cadre législatif. À Bruxelles et en Wallonie, pour les baux de 3 ans ou moins de 3 ans, l'indemnité forfaitaire qui est due par votre locataire est fixée à 1 mois de loyer. Par contre, pour les baux de 9 ans, on parle d'une indemnité dite dégressive. Si votre locataire vous notifie son congé dans le courant de la troisième année, l'indemnité qui est due est équivalente à 1 mois de loyer. Si le congé est notifié dans le courant de la seconde année, l'indemnité est équivalente à 2 mois de loyer. Par contre, en cas de rupture anticipée dans la première année de location, votre locataire vous doit une indemnité de 3 mois de loyer. L'indemnité est dite dégressive. Pour les baux de 9 ans, la situation est identique à celle qui s'applique en Wallonie et à Bruxelles. Par contre, pour les baux de 3 ans ou moins de 3 ans, il y a également cette indemnité dégressive qui s'applique. Elle est fixée à 1 mois et demi de loyer lorsque le congé est notifié dans le courant de la première année, 1 mois de loyer dans le courant de la seconde année et la moitié d'un mois de loyer si votre locataire vous notifie son congé dans le courant de la troisième année de location.